Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madjen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Christmas Vlog. Et avant de vous laisser avec la présentation des villages cités dans le titre, je vais tout simplement ouvrir le calendrier de l'Avent pour voir si on a des choses nouvelles et déguster s'il y a des choses nouvelles tout simplement. Alors on va commencer là où on s'est arrêté la dernière fois et on va aller jusqu'au 19. Alors donc la dernière fois le 15 il n'était pas ouvert, il me semble qu'on s'était arrêté au 13, non 14. Donc on va ouvrir le 15. C'est parti, on connaît, c'est un mars. Pas de dégustation de mars, on l'a déjà fait dans un précédent épisode que je vous invite à voir. Alors ensuite le 16, je mange mes cheveux. Le 16, si vous le voyez, me le... Voilà. Il y a tout le temps quelqu'un qui me le dit à travers la caméra qu'il est là, le 16. Et là en même temps cet endroit il se voit pas très très bien. Alors c'est un Twix qu'on a déjà goûté. Ensuite, le 17 qui est ici, c'est aussi l'anniversaire de ma maman. Voilà, voilà. Un Snickers que l'on avait déjà goûté. Le 18, il est ici. Ah, nouveauté, nouveauté. Attention, c'est un... Alors, attendez, je vais le sortir avant de lire. C'est un Teasers de Malteser. Oh tiens, je ne connais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc, on va goûter ceci. Et pour finir, le 19, est-ce que ça sera encore quelque chose de nouveau? Alors déjà, il faut le trouver. Il est ici. Alors, attention, suspense. Et non, c'est un Dove Caramel que l'on a déjà goûté. Que je vous invite encore à voir les précédents épisodes. On va goûter donc le Teasers de Malteser. C'est parti! Mon calendrier qui tombe. Wow. Alors on va goûter ce teaser donc de chez Malteser. Ça ressemble à un petit chocolat mais vraiment bien fait en fait. Je vais le croquer en deux comme je fais à chaque fois. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment Malteser. Vous savez les petites boules au chocolat avec qui font un peu biscuiter à l'intérieur que l'on prend des fois quand on va au cinéma. Des fois ils en vendent. C'est les Malteser tout simplement. Mais ça a exactement le même goût. Et c'est très 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 bon. Moi ça j'adore. Chaque fois que je vais au cinéma j'en prends. Voilà, c'est ma vie. Mais voilà, c'est très 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 bon. Ce Teasers. Avec le petit biscuit à l'intérieur. Enfin, c'est pas tellement du biscuit. C'est des toutes petites boules biscuitées. Qui sont mises au milieu du chocolat. Qui lui-même... il y a beaucoup d'air quoi, c'est pas tellement du chocolat compact, il est vraiment léger. Et c'est très 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 bon. Pour le moment, franchement, c'est le meilleur chocolat du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert. Hein. Très très bon, franchement, super. Je vous laisse avec l'épisode où je vous présente les villages et les alentours de Brioude. C'était Madjen, bye bye. Salut à toutes et à tous, c'est Madjen. Alors aujourd'hui, déjà d'une, je sais pas si vous allez bien m'entendre, de toute façon, un micro externe tout à l'heure pour mieux enregistrer le son. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, et ça se répercute aussi dans le massif central avec des vents qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Donc le micro risque de prendre un coup pour ce tournage de cette petite séquence qui va présenter un peu ce concept qui commence dès aujourd'hui. Alors ce concept vous l'avez déjà vu en été. Beaumont est une commune de Brioude qui est située en Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en France. C'est un village pittoresque, c'est-à-dire que ce village a un aspect séduisant qu'il mérite d'être présenté.
Avant, on parlait de peintures pittoresques, en disant qu'elles étaient séduisantes et méritaient d'être achetées. Beaumont compte 280 habitants environ. Les monuments les plus connus de ce village restent l'aérodrome que l'on peut voir par là-bas, d'où décollent des avions de tourisme ou encore des planeurs que l'on peut voir survoler la région du Brivoadois, dont on a un excellent panorama vu d'ici. Plusieurs expositions ont eu lieu à cet aérodrome, notamment l'anniversaire de sa construction qui a accueilli des simulateurs de conduite d'avions de chasse et des expositions d'anciens avions. Je vous propose désormais d'aller voir cet aérodrome. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Vous pouvez désormais comprendre pourquoi l'aérodrome de Beaumont ne peut pas accueillir des avions de ligne ou d'autres avions de déplacement massif. En effet, il n'est pas équipé de tours de contrôle et ses pistes sont très petites. La piste la plus longue fait 970 mètres de long et 80 de large, contre 2700 mètres de long et 60 mètres de large pour la plus petite piste de Roissy, et 4215 mètres par 45 mètres pour la plus grande de Roissy. Et les pistes de l'aérodrome de Clermont-Ferrand d'Auvergne avec ses 3015 mètres de long et ses 45 mètres de large. Alors on peut en voir une piste, alors il y a énormément de vent, c'est très agaçant. Donc là on a plusieurs pistes, il me semble que là on doit avoir quelque part par là une des plus longues, donc qui sert pour les planeurs. Malgré la petitesse de ces pistes, l'aérodrome possède des communications à fonction automatique, une aire de stationnement des hangars, une station de ravitaillement et un restaurant. Nous allons désormais nous rendre sur les hauteurs de Beaumont. On va essayer d'avoir un assez joli panorama sur les hauteurs de Beaumont. Et je vous propose de venir avec moi pour continuer à parler de Beaumont. Hallelujah, 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 hallelujah. L'aérodrome n'est pas la seule richesse du patrimoine de Beaumont. En effet, sa plus grande richesse est le château de Loria, datant de l'an 1000 avec des tours du XIIIe siècle. Nous allons désormais nous rendre devant ce château. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Au XVIIIe siècle, ce château servait de centre de soins pour soigner la rage. On va même y pratiquer une césarienne. En effet, ce château était un centre de soins qui bénéficiait d'un bienfaiteur qui pouvait soigner les gens de la rage et d'autres maladies. Cela attirait beaucoup de personnes pour l'époque. Les secrets, légendes et les dires que l'on tire de cette époque seraient que cet homme détenait avant Pasteur le remède de la rage. Mais cependant, rien n'a été confirmé. Ça voudrait dire tout simplement que ce fameux bienfaiteur qui vivait dans ce château probablement, ou du moins qui pratiquait de la médecine parce que ce château servait de centre de soins, c'était probablement quelqu'un qui connaissait le remède de la rage avant Pasteur et qui l'aurait découvert tout simplement par hasard. C'est pour ça qu'il n'a pas promulgué sa découverte, parce que d'une, peut-être qu'il n'était pas sûr, et de deux, tout simplement, il se disait bienfaiteur. Ça veut dire qu'il avait quelques pouvoirs magiques, selon lui, qui pouvaient faire soigner les gens contre la rage. Or, Pasteur, ce n'était pas un pouvoir magique qu'il avait, mais tout simplement un remède, c'est-à-dire un médicament. Juin 1906, Beaumont se réveille sous le choc. Un enfant s'est fait tuer par un ours de cirque. Les conditions restent encore mystérieuses. Nous allons désormais nous rendre à Bournoncle-Saint-Pierre, qui est une commune juste à côté, voisine de Beaumont.
Toujours dans la communauté de communes du Brivadois, Bournoncle-Saint-Pierre est un village comptant 1005 habitants environ et aurait été fondé entre 954 et 994. Plusieurs monuments entourent Bournoncle-Saint-Pierre, tout d'abord son prieuré clunisien. Alléluia, 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 alléluia. Un prieuré est un monastère, il est placé sous l'autorité d'un prieur. Quant au terme clunisien, il désigne l'abbaye de Cluny qui instaura une nouvelle architecture vers 910 par le comte d'Auvergne Guillaume Ier. Aujourd'hui, ce prieuré est entièrement restauré. Le deuxième monument que nous allons voir, il est adjacent à ce prieuré, c'est l'église romane de Bournoncle-Saint-Pierre. Alléluia. L'église romane Saint-Pierre a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Elle est en partie détruite et se situe dans l'enceinte du prieuré clunisien. Nous allons désormais aller voir le village de Javogues qui se situe à l'opposé. Donc nous avons Brioude, nous avons à l'opposé de tous ces villages le village de Bournoncle-Saint-Pierre à côté d'Arvan. Et nous avons ensuite Javogues à côté de Paulaguet, La Vaudieu et de tous ces villages. Donc c'est à l'opposé, il y a environ, je dirais bien, une dizaine de kilomètres entre les deux villages. Nous allons désormais donc nous rendre au village de Javogues. Avec le micro de la caméra, je ne pense pas que ça puisse déranger. Javogues est un petit village du Brivadois. Il détient la particularité d'avoir assisté le 3 juin 1903 au passage d'une tornade de catégorie F3 de 3 km de diamètre. Voici une représentation de cette tornade. Javogues possède deux monuments historiques. Tout d'abord, une croix en pierre datant du 15e siècle que l'on ira voir et que l'on... Non, on ne va pas aller la voir tout simplement. Pourquoi ? Parce que le soleil se couche. Vous pouvez le voir au ton de lumière. Vous pouvez voir sur mon visage qui rend d'ailleurs très bien la caméra. J'ai pu faire une photo auparavant, c'est pour ça que je le sais. Mais vous aurez quand même une photo de cette croix si on n'a pas le temps d'aller la voir. Mais peut-être qu'on ira la voir. C'est une croix, il n'y a pas grand chose à en dire, mis à part qu'elle date du 15e siècle, ce qui rend elle quand même un menu. Elle est classée au IMH. Malgré que la croix soit quand même exceptionnelle. Voilà. Et là, elle fait pipi. Très bien. Donc, peut-être qu'on va aller voir peut-être le château de Cumilla.
m'excuse tout simplement si la qualité est un peu mauvaise. C'est tout simplement parce que je filme avec le S8 Plus, mais normalement la qualité devrait être quand même assez bonne. Et donc voilà le château, le fameux château dont je vous parlais. On va se quitter ici. Alors je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à côté du château. Alors il y a bien une croix, mais ce n'est pas la croix du 15e siècle. Celle-là a tout de même 100 ans. Elle a été faite en l'honneur des morts de la guerre de 1914-1918. Voilà, sur ce, on se retrouve pour le prochain vlog summer, vlog Christmas. C'était Madgen. Bye bye!